Vol Télé-Guinée, Kadil Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix montée, Kadil Jean-Lier. Présentation officielle et la remise du livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social durable d'Haïti au président d'alors, M. Joseph Michel Martelly, lors d'une cérémonie déroulée à Port-au-Prince le 25 juin 2015, en présence de hautes personnalités haïtiennes et étrangères. 129 jours après la publication de deux arrêtés portant respectivement rétablissement des forces armées d'Haïti et nomination du commandant en chef AI des forces armées d'Haïti, nous voici en cette matinée du mardi 27 mars 2018 réunis autour de leurs excellences le président de la République, la première dame et le premier ministre pour les cérémonies de présentation officielle
et d'installation du haut état-major des forces armées d'Haïti. Ces dispositions, qui sont en tout point conformes à la Constitution, illustrent éloquemment votre engagement, Monsieur le Président, ainsi que votre ferme volonté d'appliquer notre charte fondamentale qui dispose en son article 263, et je lis, la force publique se compose de deux corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Outre la dissuasion qui est la mission naturelle de toute armée, les forces armées d'Haïti à travers ses corps et services spécialisés sont aujourd'hui un puissant outil dans la gestion des risques et des désastres pour un pays exposé en permanence aux catastrophes naturelles parce que situé sur la route des cyclones et traversé de part et d'autre par des failles qui ont causé le tremblement de terre du 12 janvier 2010 dont beaucoup d'entre nous ont en mémoire les ravages. Qu'on se rappelle les interventions du corps du génie et de l'unité médico-sanitaire après Mathieu et Irma, et d'autres actions similaires visant l'assainissement, le nettoyage, etc. Excellence, en tant que premier mandataire de la nation, vous n'avez de cesse d'exprimer les légitimes attentes du peuple haïtien en prenant la lourde et importante décision de rétablir les forces armées d'Haïti après 23 ans d'absence. Puisque la cérémonie d'aujourd'hui vous donne l'occasion non seulement de réitérer ses attentes, mais encore de dire publiquement au haut état-major, à peine installé, tout ce que l'État haïtien, le peuple et la nation haïtienne tout entière exigent d'eux. J'ai donc l'insigne honneur de vous céder le microphone. La cérémonie d'aujourd'hui a valeur pédagogique. Elle rappelle que les hommes, en définitive, font l'histoire. Elle enseigne le caractère prescriptif des principes et normes constitutionnels, socle de toute société démocratique. Elle est, par-delà les moments critiques de nos récentes années de vie politique et sociale, la dernière étape de long processus qui débuta le 7 février 2012 avec la requête présentée à l'Organisation des États américains par le président Michel Joseph Martelly, portant sur une demande de formation en faveur de cadres haïtiens dans le domaine de la sécurité et de la défense au Collège interaméricain de défense. Le pays a pris plus de 6 ans, 6 années de travail pour aboutir aux activités de ce jour-là. Le temps était long, mais on est arrivé au bout du chemin. L'institution militaire, démobilisée, mais inscrite en lettres d'or dans l'esprit et la lettre de notre loi mère. Cette institution renaît de ses cendres, prête à servir la nation, son peuple, aux prises avec une longue et difficile lutte pour sa redéfinition et son entrée dans le concert des économies et sociétés émergentes. Mesdames, Messieurs, tout État qui se respecte doit prendre au sérieux la question de la sécurité dans ses différents aspects. Avec la mise en place de l'institution militaire, mon administration entend donner à la nation, à côté de la police nationale, les moyens de garantir sa sécurité et permettre à notre pays de contribuer sa pierre à la sécurité régionale et internationale. Bréviaire de la nouvelle institution militaire, le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale
pour le développement économique et social durable d'Haïti. Ce livre constitue la ligne philosophique et définit l'orientation stratégique de notre futur dispositif de sécurité et de défense. Ce dispositif se résume ainsi. Haïti, un pays souverain, pacifique et axé sur le développement économique et social durable, mû par la volonté de protéger ses citoyens contre tout risque et contre toute menace. La fin du mandat de la MINUSTAH se profilant à l'horizon, le vide qui en résultera a créé chez gouverneurs et gouvernés un consensus autour de la nécessité de reconstituer notre appareil sécuritaire et défensif, en dépit de divergences méthodologiques. En raison des péripéties d'une trop longue et coûteuse campagne électorale, ponctuée d'avancées spectaculaires et de reculs intempestifs, mon accession à la première magistrature de l'État le 7 février 2017 a permis de remettre le dossier sur la table. Si d'aucuns n'y croyaient guère, d'autres étaient armés de foi dans l'avenir. Les leçons tirées du 12 janvier 2010, de l'ouragan Matthew d'octobre 2016 et du cyclone Irma ont prouvé la nécessité pour le pays de pouvoir déployer ses propres moyens en vue de faire face aux désastres et relever les défis qui les accompagnent. Le corps du génie et l'unité médico-sanitaire, qui étaient jusqu'ici un embryon d'armée, se sont révélés être d'une extrême utilité et d'une grande efficacité sur tous les théâtres d'opérations de secours. Par ma voix, le peuple haïtien leur dit bravo et merci. Ce constat, une fois fait, il devient impérieux de se référer à la Constitution qui indique de façon impérative et non équivoque tout l'appareillage nécessaire pour assurer le bien-être du peuple haïtien. Dans mon premier message à la nation, le 7 février 2017, je me suis engagé à doter le pays de toutes les institutions prévues par la Constitution en vue du fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État, en particulier le Conseil électoral permanent. Je redis ma ferme détermination à les mettre en place durant mon mandat. Dans cet ordre d'idée, le rétablissement des forces armées d'Haïti par arrêté en date du 16 novembre 2017 obéit à la même logique. Il ne s'agit pas d'un acte émotionnel ou partisan destiné à satisfaire une chapelle politique, un groupement ou un groupuscule. C'est un acte d'État à caractère patriotique et inclusif dans la mesure où les forces armées d'Haïti se présentent aujourd'hui comme une nécessité, un passage obligé dans la lutte contre les calamités naturelles ou provoquées. Nous sommes constamment dans la trajectoire des cyclones et notre pays repose sur des failles de grande ampleur. Les forces armées d'Haïti ont pour mission de s'investir à fond dans toute activité du gouvernement qui requiert son savoir-faire et son expertise dès lors que cela lui a été demandé. Elles seront à pied d'œuvre dans toutes les grandes interventions structurantes du gouvernement, toutes les fois qu'il a été prouvé qu'elles ont l'expertise nécessaire. Il s'agit, en vérité, d'une armée moderne vouée au service du citoyen, dont l'utilité et l'efficacité ne font plus de doute. Monsieur le ministre de la Défense, je vous demande de bien vouloir partager avec votre staff et vos collaborateurs toute la gratitude que je prends plaisir à vous exprimer aujourd'hui.
Le travail n'est pas fini. Bien d'autres chantiers vous attendent. Je sais que je peux compter sur votre patriotisme et votre dévouement. Monsieur le commandant-chef AI des forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major général des forces armées d'Haïti, je tiens aussi à féliciter chacun de vous pour votre courage, votre abnégation et votre sens du sacrifice. En temps normal, vous seriez en train de jouir d'une retraite paisible, mais voilà que des cas de force majeure en décident autrement. Je veux vous dire ma profonde reconnaissance ainsi que celle du peuple haïtien. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. Vous insisterez sur la formation et l'entraînement comme vecteur de discipline. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Sachez tirer les leçons du passé pour réussir le présent et permettre à la nation d'engager l'avenir avec sérénité et confiance. Vous aurez tout le support nécessaire pour accomplir votre mission dans les limites des moyens de la République. L'ordre, la discipline, le respect de la dignité humaine et des droits de tous et de chacun, la protection de la liberté sont à la fois les socles et les boussoles de mon administration. C'est pour avoir nié ces principes qui fondent et élèvent toutes les grandes institutions militaires en pays démocratique que l'ancienne armée d'Haïti s'était faite balloter, instrumentaliser, humilier, anéantir. Vous avez la responsabilité de mettre en place une institution dont chaque Haïtien, chaque Haïtienne se sent fier. Vous avez le privilège et l'ultime obligation de faire renaître cette institution charnière qui constitue la colonne vertébrale de l'État haïtien. Vous avez la responsabilité de contribuer à donner à la jeunesse les raisons d'espérer que demain sera mieux qu'hier. Vous avez été sélectionné sur la base de critères stricts et vous êtes présumé avoir les qualités requises pour accomplir une si noble mission. Ne nous décevez pas. Vous devez aussi rigoureusement sanctionner chaque fois que la situation l'exige. L'exemple de la police nationale, avec l'inspection de la générale de la police nationale, que je félicite publiquement, après 23 ans de lutte, jusqu'à présent, nous avons une police que nous sommes fiers de notre police nationale en matière de discipline. Vous avez l'obligation de rendre notre nation fière de son armée. À l'école de la démocratie, nous sommes tous inscrits, apportant chacun notre pierre à l'œuvre de la reconstruction nationale, à l'œuvre de la renaissance de notre pays, dans le respect le plus scrupuleux de la loi et du droit. Je connais un pile de monde qui t'attend toujours ça longtemps. Un pile de frère Maxime haïtien qui t'a perdu patience. Il n'y a pas de quoi si je joue ça à ta privée. Il y a quelqu'un qui t'a demandé côté l'État, je donne l'argent. Il y a quelqu'un qui t'a dit est-ce que militaire
a accepté pour retourner pour rétablir la main. Moi, je voulais dire aujourd'hui qu'on est militaire pour la vie et les militaires sont là pour servir leur patrie. Moi, je voulais dire plutôt nous miser dans la route, mais nous pour de bonnes nouvelles. Nous pensons que les 7 membres du haut état-major, c'est au pays fin qui ont été tués. Et c'est des mondes que la nation haïtienne, le peuple haïtien, la communauté internationale qui est là aujourd'hui, peuvent avoir confiance en ces gens honnêtes qui sont parmi nous aujourd'hui. Vive la nation haïtienne, vive la médaille d'Haïti, je vous remercie. Rencontre justement de la commission éthique et anticorruption avec le forum du secteur privé, le forum économique. Côté que, après que nous avons fini de rencontrer avec le gouvernement, sous trois points importants, la question de la franchise, la question de la contrebande, et la question de la fraude fiscale. Je dis à nous te rencontrer avec le secteur privé pour nous recueillir d'autres informations en plus que ça nous te recueillir dans le gouvernement. Nous connaissons au niveau du gouvernement, nous te recueillir des informations qui allaient au niveau de chiffres. Et franchise là, elle était évaluée à 10 500 millions de gouttes de dépenses du gouvernement pour la dernière année, 40% de nos importations. Faute fiscale environ 10 milliards de gouttes, c'est-à-dire c'est perte nous fait. Et contrebande, environ 500 millions de dollars, soit 35 milliards de gouttes, qui fait que nous constatons que gagner 55 milliards de gouttes dans le domaine ça, que notre crédit nous relevé comme perte. Contrebande, c'est perte, faute fiscale là. Sauf nan, au niveau de franchise là, gagner des franchises diplomatiques que nous connaissons qui sont obligatoires. Et
d'après le code d'investissement, il y a certaines franchises qui ont été bâillées. Mais nous regardons, nous avons un pile d'autres organismes qui reçoivent franchise, normalement qui ne pas utilisé. Les gens ont été utilisés et ils viennent en perte pour l'État, puisque l'État a cherché à créer un emploi, l'État a cherché à fournir l'autre service public que le bac a fourni à l'autre organisme, et nous, ce n'est pas ça qui fait. Mais je dis à nous regarder dans les détails pour nous dire, ouais, la question contrebande, comment le secteur privé a ouais. Et je dis à moi, quoi que l'engagement retrouvé, puisque au niveau du secteur privé, on a parlé de toute importation légale, yo, eh bien, ils voulaient renforcer la frontière là, c'est-à-dire que renforcer 4 points légaux que nous gagnons pour mettre tous les services, douane, sécurité, et santé, et agriculture. Ils voulaient que justement il y ait d'autres points sur les routes principales qui développaient pour contrôler la CAFEP. Et ils voulaient renforcer la coopération qui est en deux douanes. Puisque en douane haïtienne et douane dominicaine, il y a un protocole qui est signé pour que l'importation qui a fait venant de la République dominicaine, yo connaît yo et que douane déjà connaît yo haïtien pour que le taxe yo mais il pas appliqué. Et également il y a un pile agent douane qui compétent mais qui pas gain matériel nécessaire. Donc yo fait plusieurs propositions parce que yo même si ka gain membre dans secteur privé a qui ka dans contrebande qui ka dans fraude mais yo même de façon institutionnelle yo veulent résoudre problème yo et c'est l'État qui pour courir derrière membres ça. Donc, dans ce sens, moi, je crois que son rencontre qui était très fructueuse et nous proposer des points focaux, côté que nous-mêmes, nous allons rédiger un rapport pour dire voici l'état de la situation et nous garder avec le secteur privé pour nous compléter le rapport là. Et deuxièmement, pour nous, ouais, les propositions de solutions. Que ce soit Chambre de commerce, que ce soit ADI, que ce soit différentes associations qui m'en forum, là, nous, depuis plus d'une dizaine d'années, a demandé différents gouvernements qui prennent tête l'État pour contrôler le contrebande. Parce que le contrebande sont fléaux qui non seulement attaquent la production nationale, mais attaquent tout le monde qui a fait commerce, qui a importé légalement à travers port, comme le port de Port-au-Prince, ou bien port du Cap-Haïtien, ou bien à travers l'aéroport, côté de douane. Et nous pensons que le fait que l'État ici a perdu, le sénateur a parlé de chiffres de 55 milliards de gourdes, que apparemment c'est le ministère des Finances avec l'autre ministère qui balie. Nous-mêmes, nous avons fait d'analyse, nous connaissons que sous frontière haïtienne et dominicaine, il y a à peu près entre 400 et 500 millions de dollars, l'équivalent, qui perdu chaque année que l'État n'a pas rentré. Et le fait que l'État n'a pas rentré à l'agence, l'IVIN ne fait que une série de services que l'État doué population, que n'est pas capable de bali. Dans 500 millions, c'est contrebande. Oui, c'est contrebande. Il y a une infrastructure que l'État fait pour le construire, comme route, et canal d'irrigation, aéroport, l'hôpital, l'école publique, que l'État fait pour la population, que n'est pas capable de bali. Et ça vient créer une situation où l'État est faible. Et l'État n'est pas capable de bali sécurité non plus. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le contrôle qui vient pour mettre sous frontière a permis l'État de joindre plus de moyens et le secteur privé institutionnel n'a paré pour collaborer non seulement avec le Parlement, mais avec le gouvernement pour que le contrôle soit mette et que les gens qui ont fait contrebande, que l'État est pénalisé, cherché, arrêté, saisi marchandises qu'il a transportées illégalement, vendu. Pour que, au fur et à mesure, l'État rentre l'argent pour rentrer et que le contrebande ne suspende. Donc, nous parions pour nous collaborer aussi bien avec le Parlement, Sénat, Chambre des députés, qu'avec l'exécutif là, pour que nous arrivions à une situation côté gain moins de contrebande, gain moins de fraude fiscale, jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. Travail renforcement qui a fait dans le cadre de bataille a mené en faveur adoption internationale qui respectait principe convention internationale Haïti ratifiée et qui a bataillé tout pour renforcer institutions régaliennes l'État, par exemple Institut bien-être social et de recherche. Délégation était venue avec nous ici à l'Assemblée pour garder avec nous
dans le cadre d'initiative parlementaire ou du moins agenda législatif que nous avons, qui ça n'a fait pour protéger Timounio. Nous avons avec le code de la famille qui est fini. Première partie qui est dédiée à la protection de l'enfance qui doit être en votation d'ici peu. Nous avons avec nos lois cadre bien-être social là et nécessité qui gagne pour que nous adoptions la loi cadre ça qui permet bien-être social faire travail li a bien. Nous avons avec le ministère des Affaires sociales, le rôle que nous avons dans le cadre d'adoption et supervision sous crèche, orphelinat, côté parfois, vous recevez Timounio, mais Timounio pas bien traité, ou du moins, il y a des bagages mal, il y a Timounio qui est anormal. Et dernier point que nous avons ensemble avec vous, c'est la question de nécessité que nous pour avoir une entraide entre les États-Unis d'Haïti pour que nous soyons capables de combattre ensemble fléau, trafic. Timoun kap fèt et Haïti, donc on est la victime de ça en pile ces jours-ci, avec bien sûr le cas de Gallico Beach, avec le cas de Akin, qui ont une vingtaine de Timoun qui ont transporté sous frontière pour Alvon, et Timoun qui jusqu'à présent, dans Bidonville, nous y a continué à faire prio quand vous êtes bête pour Alvon, pour à des fins que nous-mêmes ne connaissons pas. Maintenant, bataille là, c'est une bataille pour Timoun qui a pas adopté en Haïti, qui peut aller dans l'autre pays, dont la France a 6 000 là, non, mais déjà, pour nous avoir un contrôle sur yo. Pour lorsque les parents et les gens ou les gens qui ont retourné la caille, ou du moins, ils connaissent dans quel pays ils sont sortis, qui est-ce qui est parent biologique, au moins pour avoir une possibilité pour eux-mêmes être capables de faire ça, ça nous-mêmes nous relève dignité en matière de droit international de l'enfance. Maintenant, c'est pour ça que là, nous faisons une belle séance de travail et nous espérons continuer le travail puisque nous faisons des échanges qui permettent de mettre nous disponibles pour l'autre, qui permettent de nous protéger comme la loi et la convention internationale de ça en Haïti. Notre mission, la mission d'adoption internationale de Paris, qui est l'autorité centrale au titre de la Convention de l'AE sur la protection de l'enfance et l'adoption internationale, a pour objet de voir sur place comment se passe l'adoption internationale, notre collaboration avec l'État haïtien, les parlementaires, ainsi que l'Institut du bien-être social, qui est notre partenaire privilégié, avec lequel nous avons déjà rencontré au cours de différentes années, puisque Haïti est l'un des principaux pays d'origine des enfants adoptés par des familles françaises au cours des années écoulées. Et puisqu'il y a, au cours des 20 dernières années, il y a eu à peu près 6 000 enfants nés à Haïti adoptés par des familles françaises, qui ont des citoyens français, et qui, pour certains d'entre eux, souhaitent revenir, savoir d'où ils viennent en fait, quel est leur pays d'origine, voire retrouver leurs parents biologiques. Et nous avons aussi des projets de coopération avec l'IBESR et plusieurs ONG pour agir en faveur de la protection de l'enfance à Haïti, notamment au profit des familles biologiques et le cas échéant, des familles d'accueil. Voilà. Comment cette mission va-t-elle permettre à Haïti de lutter contre le trafic d'enfants et qui se fait à travers l'adoption? L'objet de la mission, c'est justement d'assurer que le respect des lois haïtiennes, le respect des lois françaises sur l'adoption internationale, dans le cadre du respect des conventions. C'est bien là l'objectif de la mission, d'éviter tout risque d'adoption irrégulière. Ce que vous faites allusion, c'est l'objet de notre mission, en fait, de nous assurer que tout, au stade de toutes les procédures, de l'état civil, quand même l'élément essentiel de la dignité de l'enfant qui va devenir un adulte, d'établir son identité jusqu'au respect des procédures régulières avec l'IBSR et dans le cadre des lois haïtiennes et des lois françaises. Chapitre 6. Les
les articles 23 à 26, sous couvert de ce chapitre 6, prévoient que les assurés de ce nouveau régime doivent jouir les mêmes privilèges que ceux qui sont déjà intégrés dans le régime en train d'être pilotés par l'ONA. L'article 26 prévoit un déploiement des inspecteurs de l'ONA sur tous les territoires de la République en vue de faciliter l'intégration des paysans dans ce régime nouvellement établi. Enfin, le chapitre 7 traite dans un seul article les dispositions finales. Celles-ci ne cachent pas la formule déjà consacrée par la législation. Honorable Président, nous sommes déjà en retard dans ce domaine, tenant compte des avancées que j'ai pu constater dans d'autres sociétés partout à travers le monde. Levons la voix en tant que pouvoir pour que la mission de légiférer a été donnée par la Charte fondamentale de 1987 pour donner aux non-salariés la possibilité de préparer leur retraite. Merci, Monsieur le Président, je vous demande de prendre acte du dépôt de cette proposition de loi. Merci de vous donner acte et merci à tous les abonnés dans les conseils de ville. Je voudrais commencer sur l'exposé des motifs d'une célèbre citation du philosophe grec Xénophon, disciple de Socrate, qui a écrit dans son fameux ouvrage de l'économie en 362 avant Jésus-Christ ce qui suit. La culture est la mère de tous les arbres. Lorsqu'elle est bien conduite, tous les autres arbres prospèrent. Mais lorsqu'elle est négligée, tous les autres arbres déclinent sur terre comme sur mer. Partant de ce postulat, l'agriculture doit demeurer la priorité des priorités de toute nation, principalement pour un pays comme Haïti, en proie à l'extrême pauvreté touchant près de 54% de la population. Un autre penseur occidental de la Révolution française, Georges Danton, dans une célèbre citation, consacre la prédominance de l'agriculture sur l'éducation et la santé en affirmant que après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Dans notre pays, nous sommes habitués à ce fameux dicton qui dit sa vie à tenter. Ces références sont établies de l'importance que nous devons accorder à ce point important de l'économie nationale. On peut le dire sans embâche, la paix sociale à laquelle nous sommes tous attachés est tributaire de l'état de notre agriculture. Samedi après-midi, tu as gagné un père qui sorti dans la paroisse Saint-Louis du Nord. Donc, l'État a aidé un autre père qui est le père Ronald, qui curé par la Saint-Louis du Nord dans la question baptême. Et vers 5 heures, lui-même avec un groupe de monde qui était ensemble avec elle, donc il était obligé de prendre une petite canotte qui a un moteur goudi là-dedans pour aller la tortue. Et puis, il est arrivé presque dans le mi-temps canal, il y a un vent nord qui a botté la canotte là et puis il est chaviré. Donc, nous avons fait nous mal en pile, journée aujourd'hui, pour nous faire ça, pour moun pa ka comprendre ça qui a passé. Donc quand notre là lui-même était pour 17 moun. Dans 17 moun, il y a 5 qui rejoignent vivants. Assurément c'est marin yo. Et puis il y a 12 qui portaient disparus. Et nous croyons jusqu'à présent, il y a beaucoup rejoignent yo. Et parmi 12 ça, il y a un père Charles Tanis dit Billy qui est dans pas paroisse Saint-Louis du Nord qui est fait baptême. Donc nous croyons tant que député circonscription zone là, nous souhaitons et tout le monde qui est dans la famille bon Dieu, condoléances nous. Nous souhaitons toute famille PA qui est dans la première section Saint-Louis du Nord, qui c'est mon Guichat, et condoléances. Et puis nous souhaitons tout le monde qui est dans la paroisse Saint-Louis du Nord, condoléances. Et je ne dis pas ça fait mal, côté que Semana passe sable dans le département nord-ouest. Et ce n'est pas la première fois que Jean de Bagay ça arrivé. Nous, comme le mois dernier, nous étions dans des sacs les bâtiments sur le port de paix, même Bagay est arrivé. Finalement, pas un contrôle qui fait. Et nous profitons dans ce moment ça pour nous lancer un message vibrant par le responsable Semana. Pour jouer Wally, pour ne pas chuter seulement toucher Cobla, mais il faut être jouer Wally. Parce que c'est un contrôle qui n'a pas gagné. Parce que si c'était un contrôle dans le bâtiment Abdirapé, donc si c'était un monde sur place qui t'a contrôlé ça, nous ne pouvons pas croire que ça arrivé fait. Soit disant, dit dans Saint-Louis du Nord, il y a un monde responsable Semana ou bien qui l'a pour faire travailler ça, nous ne pouvons pas croire qui est.
Donc, nous avons demandé au directeur général Semana pour prendre responsabilité. Parce qu'il n'est pas possible, je ne veux dire, pour Jean de Bagay soit répété. Pas qu'il y ait un contrôle fixe qui fait. Donc, que M. prend responsabilité ou bien s'il n'est pas capable de changer. Énoncé politique générale, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Nous, dans le moment actuellement, pour nous faire évaluation de politique générale, Premier ministre, nous-mêmes, nous allons faire bilan, ministère par ministère, sorti depuis la primature, arrivé dans le ministère, pour nous évaluer au cas par cas chaque ministère en fonction de non seulement politique générale gouvernement et feuille de route que gouvernement, chef gouvernement, te baille et chaque ministère. Donc, il y a un pile bruit et nous senti que il y a de problèmes au niveau population, il y a un pile plein qui gagne. Donc, nous-mêmes, comme émanation peuple, nous allons commencer à étudier au cas par cas et faire bilan gouvernement ça et population, constitution en tout, Liban, nos mandats. Nous avons trois actions que nous sommes capables de poser. C'est d'abord invitation, convocation, interpellation. Donc, c'est dans le moment pour que nous évaluions le gouvernement ça parce que nous sommes en mi-temps population si ça n'a pas marché. Il revient à nous, parlementaires, pour que nous prenions les mesures qui s'imposent. Nous sympathisons nous avec la presse haïtienne. Et quel que soit côté un journaliste qui est victime, quel que soit c'était Grand Ravine, quel que soit c'était dans n'importe zone dans le troisième, quel que soit c'était dans l'autre département, en un pays, nous-mêmes nous condamnons ça. Parce que les journalistes, c'est eux-mêmes qui portent parole à la population. Quel que soit catégorie sociale ou ces journalistes qui portent parole. Et quel que soit le monde qui vit dans la communauté, je ne pas croire que si on a choisi un adversaire ou un ennemi, son journaliste est arrivé à choisir comme adversaire ou comme ennemi. Yo, parce que dans tout moment difficile, ces journalistes sont toujours présents, bon côté, yo, dans quelle que soit revendication que vous gagnez. C'est dans ce sens que moi-même, m'a encouragé l'institution PNH là, ensemble avec le pouvoir judiciaire là. Même j'ai en pile secteur dans la vie nationale l'a demandé ça pour gagner une enquête judiciaire et policière qui diligentait autour des disparitions journalistes photographes Vladimir Leganier pour que lumière capable fait autour des disparitions ça et pour y arriver retracer trace journaliste ça pour madame ni petite li famille et la presse haïtienne capable sentir qu'il est soulagé à travers des résultats qui enquêtent ça, doit accoucher.